Alors, je dirais les deux, parce qu'il s'agit des deux Europes et que les deux Europes se complètent. Voilà, j'ai une petite idée, Brad Pitt, surtout dans Once Upon a Time in Hollywood. Je préfère l'autonomie, c'est plus complexe. Alors, l'espace Schengen n'a pas bonne presse, surtout ces temps-ci. L'espace économique européen, pas tellement non plus. Je ne sais pas quoi choisir entre les deux. Doctorat? Comment choisir? Fédéralisme? Je connais mieux la Cour de justice de l'Union, mais ce que j'aime bien, c'est la coopération entre les deux cours. Les deux grands moments politiques de l'Union. Le plus intéressant dans l'Union, c'est la compétence partagée. C'est le travail ensemble des États et de l'Union. On a un peu passé là derrière le Remain. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on vit avec le Royaume-Uni à nos portes, qui n'est plus un État membre.